Bonjour Internet, bonjour Squeezie. Hola. Oui, j'ai une petite voix un petit peu pas très sympathique. Oui, pourquoi? Je ne comprends pas. Parce qu'on joue à The Evil Within. The Evil Within. Voilà, un jeu de survival horror. Tout à fait. Donc si vous êtes très jeune, regardez plutôt d'autres vidéos où il n'y a absolument aucun problème. Je te mets la manette dans les mains. Et tu t'en vas. T'as vu, elle est déjà bien transparente. Oui, oui, c'est vrai. Et en fait, on va pouvoir continuer là où j'en étais. En fait, je t'explique un petit peu où on en est. Là, oui. On est en train de jouer à l'édition collector qui est chez Micromania. Et dedans, il y a un petit artwork. D'accord. Il y a aussi la petite pochette. Le petit truc un petit peu en 3D, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et surtout, il y a un petit DLC de la sympathie avec notamment une arbalète avec des munitions un petit peu pimpées. Alors là, c'est assez particulier puisque tu es dans un endroit où tu vas revenir assez souvent. D'accord. Et qui permet aussi de sauvegarder. Et en fait, je t'invite à aller au bout du couloir là-bas. Au bout du couloir. Et parler, tu vas parler à ce miroir qui va nous emmener là où on en est dans l'histoire. Je t'explique un peu. On arrive dans une ville avec des gens pas très sympathiques. Oui. Ok. Qui, je sais pas pourquoi, ils nous veulent absolument du mal. Mm-hmm. Et toi, tu vas devoir passer outre cette ville. Et bien sûr, il te faut une tronçonneuse qui appartient à quelqu'un qui possède une tronçonneuse. Ah, voilà. Donc là, ma mission, c'est d'aller prendre une tronçonneuse, c'est ça? Exactement, tu vas prendre la petite porte. Oui, s'il te plaît. Donc tu peux voir un petit peu. Toi, tu vas en mode bon. Hein. Oui, moi j'aime bien. Soit tu peux ouvrir les portes. Comme ça. Ah oui, ça tu peux faire. Il y a tout le monde qui fait. Il est où? Tout à fait. Il est où? Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est. Alors, okay. Est-ce que tu veux. Bah, déjà, j'aime pas trop cet endroit. Oui, c'est brumeux, mais ça doit être finalement en Écosse. on sait pas exactement où. Ah, bah non, regarde-moi ça. C'est pour la pêche au gros poisson. Accrocher ses clés. Oui, c'est important. Et là, tu peux voir, en fait, regarde en haut, on voit à chaque fois un petit œil, c'est-à-dire quelqu'un cherche aux alentours, et quand l'œil est ouvert, c'est-à-dire qu'on t'a grillé, tu vas aller à gauche. Ah. Pour récupérer une petite tronçonneuse. Ici à l'intérieur de ça. Attends, là il y a l'œil, ça me fait stresser déjà. L'œil, mais le mec c'est est lui, assez loin. C'est lui qui cherche? Non, ça c'est un c'est cochon. C'est lui? D'accord. Il est juste derrière. Donc attends. Prends je vais au moins juste faire un truc déjà. T'as deux types de, oui, d'arbalètes. T'as soit ceux qui explosent, ceux qui aveuglent. Et ceux qui aveuglent. Je vais tout droit? Ah! Non, attends. En plus, t'as très peu de vie. Mais de toute façon, c'est, je sais que. Ah, tu. Ça lui a pas plu déjà. Nope. Voilà, bien à côté. Aïe, ça fait mal. Ok, nickel, nickel. Bah, c'était un très bon début de partie, j'adore. C'était vraiment agréable. On peut le dire que le jeu est assez tendu parce que t'as pas beaucoup de munitions. Ah ouais, bah c'est le principe. En fait, hein. Tout le long du jeu, donc c'est l'histoire d'un mec chelou qui ouais. vit une histoire chelou. C'est un bon pitch. C'est très bien. Tout est glauque, tout est bizarre. Et en fait, t'as vraiment très peu de munitions, t'es obligé de survivre tout le temps. Et donc en fait, par exemple, là, ce que tu as comme munition, ça va suffire normalement à buter le mec. Mais, et encore, il faut que tu tires bien. Ah ouais, faut bien viser. Il faut pas que tu mettes ton cœur explosif. Il faut bien esquiver quand il fait. Ah. Essaye d'ouvrir une porte doucement quand même. Ça, c'est assez horrible quand tu ouvres nous comme ça. Nous sommes là. Parce que parfois, il y a un ennemi juste derrière. Ah ouais. Et du coup, comme tu ouvres pendant 5 secondes la porte, l'ennemi te regarde et fait. Ah, mais qui es-tu, jeune homme? Je vais te tuer. Une. Voilà. Deux. Trois. Non. Nope. Hop là. Nope. Comment je cours? Voilà. Mais vas-y, il a une moquée blanc contre le poteau, quoi. Il fait t'aimes les poteaux. C'est troisième bien, ça, tentative. Ça, oui, bah alors déjà. Va-t-il y arriver? Ah putain. Bah oui, ce bruit il est horrible. Putain, t'es déjà en mode. Oh, merde. Et regarde, tu me le sais, avec que dalle de vie aussi. Il n'y a pas un petit truc. Non, j'ai utilisé tout ce qu'il utilisait. Ah, déjà, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une embuscade. Alors, il n'y a pas kiffé déjà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Vas-y, recule. Il a intérêt à se détendre. Hein. Attention. Oh non. Ah, et voilà, j'étais sûr. Hop là, esquive. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce... Hop, sur le biceps. Sur le piéton. Oh. Ça te plaît, je le sais, ça me plaît aussi. Aveuglement. Aveuglement, maintenant, vas-y. Et... Vas-y, pompe. Ah, je suis tendu du slip, mon gars. Non, change d'arme. Ah, putain, c'est bon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ça, tronçonneuse. Derrière nous, il y a une flamme de bien. Ah oui, merci beaucoup, à vous. C'est lui. Il était exceptionnel, moi, je trouve. Là, tu vas prendre surtout le petit oui, truc. Je vais prendre... Oui, c'est une équipe. Oh, 5000, putain, c'est pas mal, je pense. T'en as 10 000 en tout. Pour améliorer les compétences, c'est exactement. Ça? Exactement. Bah, dans l'asile, on était juste avant que... Exactement. Ah oui, d'accord. Ok. La taille, c'est une grosse tronçonneuse.
En plus, il tient ça à bout de bras. Oui, comme ça. Limite avec les petits. Alors que je te la passe dans la main, tu vas faire. Et ben, on va passer par faire le tour. Tu prends la relève ? Ah merde, d'où il sort ? Non, c'est pas moi. Ça fait plaisir. Déjà, derrière, il y a une petite embrouille. Oui, ça s'est fermé de manière immédiate. Je sais pas ce qui se passe. Et bien sûr, c'est là que Leslie était traitée. Il a dû venir ici pour se sentir en sécurité. Allez, en plus, c'est sympa, il y a des petits. Il y a un bon décor. Ça, c'est ma maison de campagne que tu vois là-bas au fond. Petit épouvantail. Alors, parfois, tu peux ramasser. Ah, oui, les haches, c'est très. Ça, c'est des one-shots, c'est ça, c'est pour tuer un ennemi et ensuite tu peux pas. Par contre, ta hache, elle reste dans le jambi. Ouais, double X. Moi. Ah non, non, non. Ah bah, tu vois, quand on appuie deux fois sur X, c'est là qu'il met un gros coup dans la porte. Voilà, on voit les différents styles de jeu. Ah, oui, bah oui. Mais... Ah, un miroir pour retourner au. Est-ce qu'on y va? On va pas se pimper un peu. Bah oui, on va se pimper, on a eu 5000 trucs sur le. Donc, dans chaque chapitre, il y a ce fameux miroir qui nous permet de retourner à cet asile, qui permet surtout d'améliorer ses compétences. Améliorer ses compétences, sauvegarder aussi. Et sauvegarder également. Oui, donc là, pour pimper ses compétences, il s'inflige la torture. Oui, toi tu préfères quoi ? Aptitude, non ? Peut-être. Ouais. Agonie, ça c'est notre arbalète de la mort. Moi j'aurais fait arme. Une petite jauge de vie quand même. Oui, une petite jauge de vie quand même. Allez, allez, petite jauge de vie. Les dégâts ? Les dégâts. La portée de l'arbalète. Pour tirer beaucoup plus loin. Ouais, ça me plaît bien ça. Voilà. Il me reste 1000. On vient d'améliorer drastiquement nos compétences. On est bon, on est pas mal. Voilà, nos armes à feu. Ah, voilà, je te fais plaisir. Ouais, oui. Je te fais plaisir. J'ai vu. Ah, il y a de l'ennemi là, mec. Il y a de l'ennemi ? Bah, regarde là-bas à droite, ça bouge. Moi, je m'en fous, je suis en mode Splinter Cell. Oh ! Ah, le cochon, si tu peux éviter de faire du bruit. Je vais arriver par derrière. Exactement, les petites phases d'infiltration. Ah, et t'as vu ? Parce qu'ils sont nombreux. T'as pris ton temps, c'était beau. Voilà. Ah. Peur. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh ! Valério, c'est moi ! Le bon docteur est là. Voici mon frère Valério. Il y a un problème avec Valério. Oh ! Oh, vas-y, dépose-le ! Non ! Oh, je suis fier. Oh, je suis fier de toi. Alors là, ce sang-froid, cette rage. Oh, oh, oh. Ce mec est également chelou. Ah, il a une vision. Il revit les événements. Ah, il s'est arraché lui-même. Arraché lui-même un bout du cerveau. Bah nickel, parfait. Ah. Ça ne peut pas être Vic. Il a des clés à l'intérieur de lui. On va aller chercher les clés. Oh mais non, mais vas-y mais mec. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Moi j'ai déjà perdu mes clés dans quelqu'un. Tu les as retrouvées comme ça aussi ? T'en arrives là. Oh putain, mais il m'a fait peur, mon gars. Mais t'as pris la clé. J'ai eu la clé. Et maintenant, on a une clé qui mène à un endroit. Point de contrôle. Qu'est-ce qu'il a, ce gosse ? Oh. Attends, doucement. C'est bien. Il est descendu. Doucement. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça sent une nouvelle arme. Une balle. Oh non, mais mec. Attends, à droite, t'as un carreau. Mais je suis scandalisé. Franchement, une grosse valise pour une balle, comme ça. C'est bien. Je suis très stressé. Je sais que t'es stressé. Leslie! Au secours! Oh, Dieu soit loué! Le docteur Jiménez est là! Tu calmes! Attendez, Doc, j'entends quelque chose. Ah voilà! Ouais. Oh! Oh! À quel moment? Coup de hache! Tu l'as eu, je le brûle. Alors, on peut dire pourquoi tu les brûles? Ah oui? Parce que parfois ils se relèvent. Oui. Donc, si. On les met au sol et que tu jettes vite une allumette, et ben y a pas besoin. Ils se relèvent pas parce qu'ils brûlent. What? Ça c'est du sérum au sol. C'est que les gens parfois et tu l'as. On sait que. En plus 1000 il m'a donné mec. Les escaliers ont disparu. Je commence à croire qu'on perd vraiment la tête. On perd la tête. Arrête. On perd la tête. Arrête. Et lui c'est le fameux big boss. C'est le big boss du game. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oh. Ça sent clairement pas bon. Docteur. Oh putain, la feinte. Il m'a craché dessus en fait, voilà. Mais lui, quand il crache, ça fait une vague. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le sol, c'est agréable. Pensez à prendre une femme de ménage. Voilà. Ah, il y a un petit truc là, t'as vu ? Où ça ? Ah, il y a un levier. Merci, Cyprien ! Hop là ! Ah, c'est muche, Peter. Là-bas, il y a un levier. Oh!
Oh, j'aime pas quand ça fait ça. C'était j'aime pas un piège. Du tout, ah, là, il y en a un aussi. Voilà. Comme ça, c'est ah, réglé. On l'a fait à la Squeezie, aucun problème. Attention. Oui. Oui. Tu le fais exploser, non? Oh, en plein milieu. Moi, je faut savoir que je suis mort deux fois avant d'arrêter une première. Hop là. Ah. Et qu'est-ce que je dois en faire en fait? Je vais le faire descendre. Peut-être le faire descendre, toi, tu penses? Comme ça? Faut tirer dessus pour qu'il explose déjà, de base. Bah oui, mais. Mais où? Attends, je vais voir si là-bas il est pas. Ah, oui, ça, c'est un essaim de coccinelle. Hein. Ah, bon, bah ça va alors. Oh, oh ouais. Et bah voilà à quoi il sert le bidon qui pète. Et t'en fais quoi du bidon? Tu peux le prendre? Bah, je le laisse là. Je le laisse là, je monte, et dès qu'ils ont tout, je tire dessus. Oh bah ouais. Oh, bien joué la lunette. Ah. Ah. Comme on vous l'a dit, hein, c'est assez tendu du slip. Ouais. Puisque. Bah là, j'ai plus de balles, j'ai plus rien, quoi. Barre-toi de là! Il est dur, hein? C'est pas simple. Est-ce qu'on va y arriver cette fois? Tu veux le test ou je le fais? Non, je vais le faire. Ah, c'était beau ça! Ça, c'est effectué. En ligne comme ça, regarde. C'est beau, hein? L'allumette, vas-y. L'allumette. Et voilà. Bah attends, on a fait les choses proprement. Là, c'est vraiment. Là, franchement, on a fait les choses proprement. Un bon barbecue. Voilà. Oh, une petite femme qui se lève dans l'autre et elle va perdre sa tête si Lucas arrive à viser. Encore une petite. 4 balles. Et là. Je vais cramer au cas où. Et voilà. Et bah putain, t'as la différence entre les deux parties est quand même assez, ouais, assez ouf. C'est oh, qu'est-ce qu'il faut faire, je meurs. Là d'un coup, ok, la ligne. Boum, boum, boum. Hola. Hola, qu'est-ce que t'as le balle de revolver. Wow. What? Wow. Carreau explosif. Carreau. Je peux me barrer. Ah, ah, ah. Mais grave, mais putain, le meurt. Ah! Alors lui, il est passé au mauvais endroit au moment. Il sortait, là il avait pas. Bah va à droite, va à droite, va à droite! Oui, putain, mais c'est pas bête. Je me cache où? Là y'a un bouton! Imbécile. Bon bah steak. Oh! Allez, attention, attention, attention! Ah! J'ai vu! Qu'est-ce que tu me fais? Ah non! Je suis très très mal en point. Oui, je m'enfuis! Oh, au revoir! T'as vu ces vieux doigts dégueulasses? T'as vu ces vieux doigts dégueulasses? Ouais, ces grands bras dégueulasses! Oh là! Mais oh, c'est. Mais non! Allez, on a pas le temps! Ouais. Allez, allez! Ah, tu fais quoi aujourd'hui? Ah! Oh, mais mec! Vite! Mec. Vite! Ah! Oh. Vache! C'était juste! Là, c'est bon! Attends, attends, attends! Là, il peut plus là! Là, il peut plus se téléporter. Oh, et attention, va-t-il y avoir une balle de revolver cette fois? Voilà. Oh. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est le créateur de Resident Evil qui s'est dit: et là, vous en mettrez que. Vous la poserez comme ça dans toutes les grosses. Plus les boîtes sont grosses. C'est comme si t'achetais un Kinder Surprise et que dedans, il y avait une punaise, quoi. Tu vois. Une viste. C'est horrible. Regarde, quoi. Une boîte juste là, il y en a plus, quoi. Ah! Et voilà, moi je rigole à nos blagues là et. Il m'a suffi d'un moment de. Attention! C'est bon, c'est bon. On descend. Alors. Oh! Bah oui, bah tout s'écroule parce que je suis pas de. Oh, oh, oh! 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 T'as vu comme c'est stylé? D'accord. Ça c'était pas mal. Le sol. La paroi est devenue un sol.
Par contre, la caméra, va falloir faire un effort. Oui, s'il te plaît, Jean-Michel. Voilà. Il est en formation, donc forcément. Ah oui, d'accord. Il est en BTS. Eh ben, on a fini la mission. Chapitre 4 terminé. Il a un aft. Ah oui, oui, un puissant taf. Un aft. Voilà, c'était un aft de plus de 20 ans, quoi. The Evil Within. C'était le chapitre 4. On n'a pas trop voulu vous spoiler la suite. Non, ça va, il n'y a pas de spoil. Ça va. C'est pour ceux qui ont le cœur bien accroché. Oui. Ceux qui aiment bien les aventures. Aussi. Ouais, voilà. Et. Il y a deux styles de jeu assez différents finalement. La discrétion et le bois, mais la discrétion est plus adaptée. Hein, est-ce qu'on n'aurait pas, à part hasard, 10 jeux The Evil Within, pas collector, bah, je crois qu'on a 10 jeux à faire gagner. Effectivement, et il y a un process inventé par des Américains dans une université. Qui viennent de la NASA. Exactement. Alors, il faut cliquer sur le lien dans la description. Cliquez sur la description. Je ne m'attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être un système d'envoyer un courrier. Ça change tout le temps, mais là, je pense qu'on va rester sur ça. Voilà, c'est un très bon mois d'octobre, je trouve. Oui, oui. Puisque le 31. Tout le monde va flipper sa race, notamment devant vos consoles ou PC ou ce que vous voulez. Je vous dis très vite, abonnez-vous. Oh non, attention! Je vais te tuer. Oh, je vais te tuer. T'as peur, hein? Ah non! Ah bon, il est peut-être un peu plus petit que prévu. Oh non! C'est déceptif. Oh non!